Vous allez prendre un autre. Le jaune ou le vert?
Et le vert? Elle Il fait combien de ballons? Allez, salut à tous les amis, c'est Cosplayer. On va faire un petit peu le compte-rendu de ces achats en magasin Noz, magasin Micromania, magasin Action et en espace culturel Leclerc. Voilà, je vais vous montrer un peu tous ces achats. Mais je vais commencer d'abord avec les pop, parce que oui, ça a été la folie des pop chez Noz et chez Action. Encore en ce moment, il y a des arrivages toutes les semaines de nouvelles pop en plus. Chez Noz, elles sont à entre 7,49€ ou 7,99€. Ou 6,99€, je ne sais plus, et 14,99€ pour les jumbo. Moi, chez Noz, je me suis pris une seule jumbo. Après, il y avait plein d'autres petites pop, mais bon. Elle ne m'intéressait pas plus que ça, mais moi, je me suis pris la pop 19, la jumbo Halo, pour 14,99€. La voici, je vous la montre tout de suite. Elle est vraiment magnifique, je trouve. Regardez-moi cette pop Halo, si elle n'est pas magnifique. Elle est vraiment superbe. Le Master Chief, pop 19. Vraiment, pour 14,99€, je trouve que c'est un super loot. Elle est vraiment très très belle, on a un très joli détail, je trouve. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette pop spéciale édition en plus. Master Chief. Energy Sword, donc avec l'épée d'énergie. Elle est vraiment superbe. Et pour 14,99€, franchement, j'ai pas hésité à me la prendre. Alors, j'hésite à la laisser sur la table parce qu'il y a encore plein de pop à présenter. On va la mettre ici au fond. Voilà. Alors, ensuite, on attaque directement les pop à 3,99€ chez Action. Il y avait beaucoup de pop Marvel. Je me suis pris la Doctor Strange Multiverse of Madness, la Captain Carter pour 3,99€, aussi très jolie, je trouve. Pop 1033. Elle est vraiment très sympa. Ensuite, nous avons la pop 789 de la série My Hero Academia. C'est le Kurogiri. Alors, Glow in the Dark. Donc, on a les yeux qui brillent dans le noir. C'est une spéciale édition.
Elle est vraiment badass, je trouve. 3,99€ toujours chez Action, vraiment. Je vous ai mis un petit medley de live en début de vidéo, vous avez pu le voir. Hein. Il y en a encore des nouvelles pop toutes les semaines qui arrivent chez Action, franchement, à ce prix-là. Celle-là, elle n'y était pas pendant 15 jours. Et cette semaine-là, mercredi, j'ai pu la choper. Donc encore un nouveau modèle qui est arrivé chez Action de Pop. Donc ça, c'est vraiment cool. Et elle est très jolie aussi, celle-là. C'est My Hero Academia. Ensuite, j'ai chopé aussi deux pop Squid Game. Donc moi, ça, c'est une de mes séries de cœur. J'avais vraiment adoré Squid Game. C'est vraiment très sympa. On va voir la saison 2, je pense, qui va popper l'année prochaine. Et du coup, donc voilà. Donc là, il y a des pops qui sont pour moi et des pops que je vais offrir. Hein. Tout n'est pas pour moi. Mais 3,99, je trouve que vraiment, c'est des super loots. Voilà, pour les pops Squid Game. Donc nous avons le Masked Worker avec le rond. Et nous avons le player 456, Seong Ji-hoon. Voilà, pour ceux qui s'en souviennent. On va dire vraiment le protagoniste de l'histoire, le héros principal. C'était lui avec la petite coupelle avec le caramel en forme de parapluie. Donc je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la série. Mais bon, ceux qui l'ont vu vont tout de suite comprendre. Il y en avait d'autres en Squid Game. On avait qui encore? On avait Cho Sang-woo aussi. Son ami d'enfance. Bon, je ne l'ai pas pris. J'ai pris le protagoniste principal. Seong Ji-hoon. Et j'ai pris les sous-fifres dans le jeu, les travailleurs masqués. Voilà. Donc il n'y avait qu'un seul modèle, c'est celui avec le rond. Donc sympa ces deux petites Squid Game. Ça, c'est pour moi. C'est un truc qui me plaît bien. Qu'est-ce que nous avons encore? Ensuite, on va attaquer dans du Marvel. Hein. Tout le reste, c'est du Marvel. Ah non, il y a Star Wars, pardon. Il y a la Star Wars, la Marine. Night Sister en spécial édition qui est vraiment très sympa aussi. Pop 553. Regardez-moi comment elle est belle aussi celle-là. En Pop Star Wars. Gaming Greats Star Wars Funko Pop. Pop 553. Très très jolie, bien détaillée. Vraiment, elles sont très sympas ces pop. 3,99 vraiment. Je le répète, mais si vous voulez vous faire plaisir ou faire des cadeaux. N'hésitez pas à aller dans vos magasins Action, franchement il y en a plein en ce moment. Et ensuite le reste, c'est du Marvel. Donc du coup, nous avons les Marvel Eternals, nous avons Tena, qui est très sympa aussi. Très joli pop. Pop 729. Alors, je vous fais un petit tour comme ça de la pop rapidement, mais n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir un peu plus les détails pour ceux que ça intéresse. La pop Tena. Ensuite, nous avons. Donc, ça, c'est Marvel Studios What If Infinity Killmonger en Funko Pop exclusive. Pop 976. Voilà, je vous montre un petit peu la collection. Donc du coup, j'ai la Captain Carter aussi, que j'ai chopé chez Action. Killmonger, vraiment sympa aussi. Très joli pop. Toujours à petit prix. Et on termine avec le Green Goblin en édition spéciale Glow in the Dark. Marvel, c'est Mech Strike Monster Hunters Pop 991, qui est magnifique au niveau des coloris. Regardez même la base. Green Goblin. Elle est vraiment celle-là magnifique. Ça, c'est pour moi. Celle-là, je me la garde dans la collecte. Elle est vraiment très très sympa. J'aime bien me trouver la Venom. Aussi, même la Thanos est sympa. Hein. Même la enfin, toute la série des 5 pop, elle est vraiment superbe, je trouve. Celle-là, vraiment. Donc, j'aurais pas mis 15€ dans la pop, mais 3,99, franchement, j'ai pas hésité, quoi. Elles sont vraiment badass, je trouve. Voilà, on a déjà quand même un joli mur de pop. Hein. Et on termine avec le Docteur Doom, toujours chez Marvel, Mech Strike Monster Hunter, Pop 990.
Ça, c'est une figurine que j'apprécie particulièrement. Parce que le Docteur Doom, je l'avais quand j'étais petit dans la série des Marvel. Non, c'était pas Infinity Wars, c'était les Marvel. Les figurines vintage, je m'en souviens plus. J'ai un trou, bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, le Docteur Doom. Les Marvel Secret Wars, voilà, ça me revient. J'avais les figurines Secret Wars quand j'étais petit et j'avais ce Docteur Doom. Donc ça m'a fait penser à ça. Et regardez-moi avec l'espèce de trône avec les serpents là, comme ça. Elle est vraiment magnifique. Là, au niveau des détails, je peux vous dire 3,99, celle-là, je l'ai prise de suite. Donc, du coup, voilà pour toutes ces figurines Funko Pop de chez Action et de chez Noz. Et ensuite, on termine avec les jeux vidéo. Je vais vous montrer mes rentrées à l'espace culturel Leclerc. Je me suis pris le Hot Wheels Unleashed Turbo Charged 2. J'ai beaucoup aimé le premier de chez Milestone. Donc, c'est vraiment de la course auto, de petites voitures Hot Wheels sur carrément les circuits Hot Wheels qu'on fabrique. Voilà, là, donc dans cet opus, on a plus de circuits, plus de véhicules avec l'ajout des motos d'ailleurs, cet opus-là. Et moi, j'ai bien aimé franchement, l'opus Switch est vraiment pas ridicule, c'est vraiment fluide. En tout cas, le premier était hyper fluide et apparemment, le deuxième, c'est pareil, il tourne bien sur Switch. Il est très fluide, on a quand même des beaux effets de lumière. Et l'avantage d'une version Switch, c'est qu'on peut y jouer en mode portable comme en mode docké. Donc ça, c'est pour ça que je prends moi souvent des versions Switch, comme ça, c'est pour pouvoir y jouer en portable. Ça, c'est vraiment top. Et bien, l'ajout des motos, ça, c'est vraiment cool aussi. Et je l'ai payé petit prix, 33,69 € seulement, en espace culturel Leclerc, alors que c'est un jeu que j'ai vu partout, minimum à 49 €, entre 49 et 59 €. Donc 33,69 € pour la sortie, le Hot Wheels Unleashed 2, voilà, plutôt que d'attendre un an ou un an et demi qu'il soit à 30 € dans les bacs. Là, 33,69 €, je l'ai day one et neuf. Donc ça, c'est cool. Le petit Hot Wheels. Bien entendu, sortie incontournable de la semaine. Donc là, à l'heure où vous voyez la vidéo, c'est les jours où j'ai acheté, les semaines où j'ai acheté ces jeux-là. Mais bien entendu, quand là, je vous poste la vidéo dimanche matin, j'aurai déjà ouvert les deux jeux. Et j'aurai surtout entamé celui-là, le Super Mario Bros. Wonder. Voilà. Ça, c'est top. 44,16 €. Prix de lancement, espace culturel Leclerc. Enfin, un nouveau Super Mario sur Nintendo Switch. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est vraiment top. Et ensuite, on termine avec Micromania. Deux jeux Xbox 360 ou PS3 pour 5 €. Je me suis pris le Sega Rally sur Xbox 360 et le Marvel Ultimate Alliance de chez Activision sur PS3. Voilà, donc ces deux jeux-là pour 5 € seulement. Bon, après, voilà, il n'y a pas des jeux très intéressants ou vraiment des jeux très très communs que j'avais. Voilà, bon, l'Ultimate Alliance et le Sega Rally ne sont pas non plus des raretés, mais bon, je suis content pour 5 € les deux. Hein, ça fait à peu près prix de vide-grenier, 2,50 € le jeu. Ça reste très très correct. Donc Sega Rally, moi j'adorais la licence sur Saturn et la borne d'arcade à laquelle j'ai beaucoup joué. Donc là, c'est vraiment une version un peu next-gen sur 360. Il est sorti sur PS3 aussi. Et un petit Marvel Ultimate Alliance aussi sur PS3. Ça fait plaisir. Je crois que les deux étaient complets. Ouais, les deux sont complets. Vous pouvez le voir. Et le Sega Rally, c'est pareil. Il est complet. Donc deux petits jeux pour 5 balles chez Micromania. On a encore l'offre à l'heure où je vous parle. Du coup, dans les offres Micromania, on avait des jeux à 4,99 €. Je me suis pris le Super Monkey Ball Banana Blitz HD. Voilà. Avec un autocollant offert à l'intérieur. Donc un jeu Sega aussi, tout comme le Sega Rally. Voilà. Donc c'est du neuf sous blister, vous le voyez. Jeu neuf. 4,99 €. C'est du Super Monkey Ball. À voir comment est cette version arcade HD. À tester, je crois que les tests étaient un petit peu moyens, il me semble. Il faudrait que je revoie, mais bon, 4,99 €. Je me suis dit, je vais le prendre pour la collecte et pour le tester. Donc, celui-là, je vais le dépister, je vais le tester d'ailleurs. Hop, et ensuite, on termine avec deux jeux Tales of. Je me suis pris le Tales of
of Xillia sur PlayStation 3. Il passait à 10,99€, donc je trouve que c'est un bon tarif pour un Tales of. Là, regardez tous ces covers, comme elles sont magnifiques. Hein. Dédicace au poteau Jesse Draven et Josink, de la chaîne Josink et Erekiel aussi, qui aiment beaucoup les RPG comme ça. Et je sais que Jesse Draven aime beaucoup aussi la série des Tales of. Donc, coucou les copains. Hop. Voilà, le Tales of complet pour 10,99€. Je trouve que c'est un bon loot. Je ne l'avais pas dans la collection, celui-là. D'ailleurs, je crois qu'il y a un deuxième opus. Il y a Tales of Xillia 2. J'aimerais le choper aussi. À la base, je voulais la version collector, qui n'est pas très chère non plus. Mais bon, là, je suis tombé sur celle-là. On ne le voit pas non plus tous les jours, hein, vraiment. Mais c'est la première fois que je vois à 10,99€ chez Micromania. Donc, je me suis dit, allez, je ne vais pas attendre plus. Je vais le prendre parce que ça, c'est des jeux encore qui vont peut-être prendre de la cote plus tard. Et j'ai peur qu'après il soit bien plus cher. Donc je me suis fait plaisir. Et on termine avec le Tales of Arise. Vraiment, je suis très content de l'avoir celui-là parce que j'ai vu des gameplays. Il a l'air vraiment juste magnifique. Le Tales of Arise sur Xbox Series X, Xbox One. Voilà. Voilà, il y a un petit code de téléchargement. Et on a du coup deux bourrées. On a disque 1. Et disque 2. Voilà. Donc celui-là, il était à 17,99€. J'avais un bon d'achat de 10€. Donc voilà. C'est un jeu qui m'est revenu à 7,99€. Très exactement. Donc pour 8 balles, je me suis dit, allez, je le prends. C'est pareil, ça, c'est des jeux qu'on va voir de moins en moins. Et en plus, c'est un excellent Tales of. Donc je me suis fait plaisir, je me suis pris. Voilà du coup, les amis, pour cette rentrée. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Je fais des vide-greniers live, des présentations d'achat, voilà un petit peu de tout sur ma chaîne. Une vidéo tous les dimanches matin à 9h et je fais plein de shorts tout le long de la semaine et surtout aussi n'hésitez pas à rejoindre mon TikTok aussi, GhostPlayer31. Voilà, je poste aussi des vidéos inédites. Les amis, c'était GhostPlayer, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.